Continue, c'est toujours possible. Continue. Oui. La chirurgie a beaucoup d'impact sur la vie des jeunes. La chirurgie permet, la coopérative jeunesse africaine, excusez-moi, permet aux jeunes de s'exprimer, permet aux jeunes de décider. Ça, c'est important pour tout ce qu'ils vont faire dans leur vie. C'est la jeune classe, ça permet aux jeunes de décider de quoi ils vont faire. Donc ça, c'est... Ça les mûrit, quoi. Donc, le fait de décider ensemble, le fait de mener une activité à bout ensemble, le fait de réussir une activité ensemble, vraiment, ça mûrit les jeunes. Et puis, bon, ça crée l'espoir au niveau de la jeunesse. Autre chose que je peux ajouter, vraiment, avec ces revenus que les jeunes réussissent à faire, vraiment, ça leur permet vraiment d'épanouir un peu, de s'épanouir. Donc, les jeunes, avec cet argent, peuvent s'acheter des vêtements. Ça, c'est un. Ils peuvent se nourrir, ils peuvent se loger, même si actuellement, la chirurgie ne permet pas cela. Donc, voilà. Et la CGA aussi permet aux jeunes de s'insérer dans la société. On en a vu des jeunes qui vivaient des difficultés après leur passage à la CGA. Ils sont arrivés à s'intégrer. Ils n'ont pas eu vraiment un bagage professionnel comme soi. Mais je connais un qui a été embauché dans un restaurant, mais arrivé dans cet restaurant, il a beaucoup augmenté, il a beaucoup changé de poste. Donc ça peut dire, ça permet aux jeunes de s'intégrer, ça permet aux jeunes de comprendre comment une entreprise fonctionne, ça permet aux jeunes aussi de ça valorise un peu. Le savoir-faire, ça valorise un peu. Donc ça permet aux jeunes de... Je sais pas, dans leur famille, ça leur donne une considération un peu dans leur famille, c'est ça. Et souvent, bon, il y a les papas ou les mamans ou, je sais pas, les frères qui les accompagnent souvent à la CGA. Et ça montre vraiment que ce qu'ils font, leur famille est vraiment intéressée par rapport à tout ce qu'ils font. Et c'est ça. Actuellement, ce que nous voulons vraiment, la CGA actuellement vit toujours ses débuts, vit toujours son implantation. C'est un modèle qui est nouveau. Il y a la démocratie que les jeunes apprennent. Chez nous, ce n'est pas souvent le cas. Donc, ils apprennent comment fonctionne, ils décident de... C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est...